Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre LP Titanic modé. Ouais, le 49e. Alors, je continue de m'amuser avec mon jetpack. Et puis, j'ai décidé de continuer à monter la proue du bateau jusqu'au pont, jusqu'au plus haut, jusqu'au pont B. Puisque là, on a le orlop, le G, le F, le E, le D. Et le C, j'en ai loupé un. Non, le D, c'est celui-là. D, B, C, D, C, B. Ta-da-da-da. Donc là, j'ai dû... je dois avoir le orlop, le G, le F, le E. Ouais, le D. Alors le D, il est particulier, c'est le pont Salon. Il fait 4 de hauteur, 4 blocs. Tous les autres sont à 3 blocs. Mais comme c'est le pont Salon, c'est là où justement il y a le grand salon... Au niveau du milieu du bateau, il lui faut un peu plus de place. Alors j'étais en train de faire ça, je finissais là, et je me suis aperçu que... Oh 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 oh. Mais avec le jetpack, je vais pouvoir aller faire un petit tour là-haut. Alors je vais aller me chercher le deuxième jetpack, pour assurer mes arrières. Là je suis à 13, il me reste 13 000 hein, sur celui-là. Quoique, une chute dans l'océan serait peut-être pas forcément mortelle. Mais bon, on va pas tenter le diable. Allez, je me mets en stabiliser. Et je vais aller le chercher. Donc je vais aller le chercher, il est là-bas en train d'être chargé. Et puis on se retrouve dès que je l'ai récupéré. Alors vaut mieux y aller à pied, c'est plus rapide en fait. Hop, alors je me suis fait... J'ai été récupérer le deuxième propulseur qui est à 55%. Je me suis fait un casque en fer que je vais... Allez, ouais, protection 1, c'est toujours ça de prix parce que j'en avais plus. Au cas où il y a des mobs là-haut. Hein. Et puis, on va manger. Et hop. C'est où? C'était par ici. Elle est là-bas. J'ai eu peur un moment. Et le nuage est compact. Ça va, elle est pas aussi loin que... Ouais. Elle est tout près même. Ah, King Slime. Oh, 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 oh. Il est où? Ah, il est au milieu dans sa mare. Et je vais l'attaquer par en haut. Il va rien voir venir, le pauvre. Ah, je pourrais même... Oh, ça c'est vraiment lâche. Bon, oh, pauvre petit chouchou. C'est vraiment impeccable le jetpack. Je vais pas prendre un seul dégât. Oh, pauvre petite bébête. Allez, encore un. Non, encore un. Hop, voilà. Oh, c'est plein de petits. Ça va être des pénibles ceux-là. Oh, bah il meurt. Qu'est-ce qui traîne? Oup. C'est quoi ça? Du gluant violet congelé. Oh. Alors qu'est-ce que j'ai récupéré? De la Latinus Smile, un miniature Yellow Earth, un Epic Shader Grabag et un King Slime Cutlass. Plus 9 points d'attaque. C'est aussi costaud que ma King Slime Longsword. Alors, est-ce que je récupère quelques trucs là? Terre gluante bleue. Gluant violet congelé. Les arbres, c'est quoi? Des feuilles gluantes. Ah, il y en a encore là.
faudrait que je prenne une hache. Ça fait un drôle de bruit. Ah, c'est du gluant vert congelé. Ah, du coup, je récupère de la pousse gluante. Oh, oh, oh. En fait, tout est gluant sur ce machin. Bon, bah, c'est le pays du gluant. Ok, ok, bah il n'y a que ça. Hein. Bon, c'était cool. Bon, c'est un peu cheaté avec le budget pack. Hein. C'est un peu trop facile. Bon, le King Slime, il est pas méchant, méchant, quoi. Mais il donne quelques coups quand même. Je me souviens que le premier que j'avais tué, il m'avait un peu tapé. Bon, ben, on redescend. Et puis, oh, belle vue sur le bateau. Et puis, ben, on va se continuer le bateau. Hein. Allez, c'est reparti. Alors, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est venir le démonter. Parce que, bon, dans le... Oh, c'est marrant, ça. Bon, il doit y avoir une super grosse météorite au milieu. Quand on regarde le ciel, on voit ça, ça fait bizarre. Allez, hop, ben je continue. J'ai encore une cloison étanche, un couple à monter. Parce qu'en haut, c'est plus de la cloison étanche. Hein. Le Titanic n'avait une cloison étanche que sur le bas du bateau. C'est d'ailleurs ce qu'il a perdu. Elle ne montait pas assez haut. Et je fais les bords de chaque pont. Et puis on se retrouve à ce moment-là. C'est un peu lent quand même. Et puis il va faire nuit. Allez, on se dépêche. On va le couper au-dessus de l'eau, ça va être plus rapide. Technique Banzai. Allez, on va se coucher et on se retrouve. Bah, je vais construire quand même un peu hors caméra et on se retrouve après. Bon, bah, j'arrive en fin de. Je vais aller me mettre au-dessus de l'eau parce que je voudrais savoir s'il y avait un signal ou autre quand ça arrivait à zéro. Et en fait, non, il n'y a pas de signal pour prévenir. Il faut toujours faire gaffe. Et voilà, ça se coupe. Ok, doc. Donc, pas de signal d'alerte. Il est vide. Pas de gaz stocké. Il est vide, il est vide. Bon, ben, on va aller... Oh, puis en plus, il va être l'heure de se coucher. Donc, on va aller recharger ça. Aller le changer. Et puis on continue. Et voilà, j'ai fini la proue du bateau. Du moins l'aspect squelette. Hein. Alors j'économise mon jetpack parce que mon propulseur... parce qu'en fait je consomme plus vite que ce que l'autre se recharge. Voilà la forme de la proue. Donc bien maintenant je vais reprendre le sculptage. Tant que j'aurai de l'hydrogène. Et pour quelques litres d'hydrogène de plus. Le nouveau western. Donc là, ouais ben. Bah, ça va le faire comme ça. Hein. Et puis après... On va regarder de combien on peut remonter à chaque fois. Là, il y a 1, 2, 3, 5. Si là, je fais 1, 2, 5, bon, ça me paraît correct. Et au-dessus, 1, 2, 3, 4. Hop. Une fois que c'est fait, on prend un peu de recul. Et là, on doit avoir normalement une belle ligne. En dessous, ça serait pas mal d'avoir 5. Tac, tac. Et voilà. Bon, ben, je continue un petit peu. Et puis, on se retrouve après. Bon, c'est vraiment trop long.
Là, je suis à peine à 29%, j'ai déjà vidé l'autre. J'ai repéré que il y avait possibilité d'améliorer la vitesse. En fait, alors comme c'est traduit, ouais, c'est ça, c'est la flèche rouge. Extension vitesse name, tenir shift. Increase, donc augmente la vitesse des machines mécanismes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du stained glass. Et en bas, c'est du verre normal. Il nous faut de l'alliage enrichi et de la poudre d'osmium. Alliage enrichi, oui, on sait faire ça. C'est dans l'infuseur, deux lingots de fer, ça marche. De la poudre d'osmium, je dois en avoir. Donc il y a juste... ça tombe du verre, ça marche. Bon, on va aller se faire ça. Il faut que je récupère. Où est-ce que je l'ai mis l'osmium? Toc. Des lingots, j'en ai là pour faire les alliages enrichis. Donc il faut que j'aille faire de la poudre d'osmium. Ouais, enfin, je voulais pas. Du coup, ah, il m'a fait de la poudre d'étain. Ah, il est là. Ah, il y a toujours un temps de, il y a toujours un temps de retard, hein. Allez, hop, ça, on va aller. Donc le pulvérisé. Le pulvérisé de ferrous, le pulvérisé adhérent, ça je le garde. Dans l'infuseur, je mets tac tac. Et hop, et d'un. Et hop, de deux. Allez, je vais essayer avec du verre. Bien voir, hein, avec du verre normal. Je dois en avoir là. Tiens, de la roche. Il est où? Il est là. Ouais, c'est bon. Avec du verre normal, ça passe. Impeccable. Allez, on y retourne. Alors, il se met où? Vitesse. Ah, je peux en mettre plusieurs. Et c'est tout, il va plus vite. Et surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'énergie qui arrive. 6, 120 RF, 140 RF. Ouais. Alors ça va pas beaucoup plus vite parce qu'en fait j'ai l'impression. Là je suis à 0 RF. Peut-être pas assez d'énergie qui arrive. Hein. Faut dire que ça, c'est tout le temps en train de turbiner. Ouais, ça, c'est à zéro. Faudrait que je génère, je trouve un moyen pour générer plus d'électricité, en fait. Là, j'ai une chaudière qui fournit un max de trucs. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de raison. Donc je vais d'ici. Alors je vais pas commencer à cet épisode-là. Mais d'ici le prochain, je vais chercher quelque chose qui génère un peu plus de. Pourtant, du RF, il y en a de Stored. Il y a 300 000 RF, mais. J'en produis pas assez. Oh là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ça va me faire des choses à faire. Oh bah, ça y est, il fait déjà nuit. Pour le prochain épisode. Bon, ben on va attendre qu'il se charge, hein, puis en attendant, on va aller se coucher. Et puis, ouais, je vais rechercher, je vais faire des recherches sur les wikis pour voir ce que je peux avoir comme meilleur système d'énergie pour pas que mes machines tombent en rade. Parce que là, en fait, c'est vraiment le truc du pauvre. Allez, et ben là-dessus, je vais vous laisser. Petit épisode tranquillou. Commence à avoir une belle petite gueule quand même, hein, ce petit truc. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!